Affolés, les citoyens de la Corée du Nord seraient actuellement très préoccupés par la perte de poids mystérieuse du leader du pays, le Daily Star. Que se passe-t-il réellement en Corée du Nord? La télévision d'État de Pyongyang KCTV a récemment diffusé des interviews d'habitants et, fait très étonnant, ces derniers ont exprimé leurs inquiétudes au sujet de Kim Jong-un dont la silhouette se serait mystérieusement allégée de nombreux kilos très récemment. Voir notre respecté secrétaire général amaigri est ce qui brise le plus le cœur de notre peuple, a déclaré vendredi 25 juin un Nord-Coréen lors d'une interview accordée à la télévision nationale. Les gens disent tout qu'ils sont émus aux larmes, a déclaré cet intervenant qui a brisé une des règles fondamentales de la dictature nord-coréenne où toute évocation de la vie privée et de l'état de santé du dirigeant est d'ordinaire interdite. Les commentateurs se sont emparés d'une photo de Kim Jong-un lors d'une session du Politburo du parti au pouvoir et il apparaît que le bracelet de sa montre serait plus serré que d'habitude. Une première pour le dictateur qui, depuis sa prise de pouvoir en 2011, n'avait jamais cessé de prendre du poids. Selon des analystes spécialistes de la Corée du Nord, cet intérêt soudain pour la santé du dictateur serait une manipulation des autorités qui tentent de mettre à profit la perte de poids du leader nord-coréen pour renforcer la fidélité au régime qui fait face à de nombreuses difficultés. Le pays est en effet sous le coup de sanctions internationales pour ses programmes militaires interdits et est isolé comme rarement depuis le début de la crise sanitaire. Dramatiser la perte de poids de Kim Jong-un permettrait ainsi de le glorifier en le dépeignant comme un dirigeant dévoué et travailleur. Alors que la Corée du Nord connaît une énième crise alimentaire qui laisse la population exsangue. Point. Après sa mystérieuse disparition de 3 semaines en 2020, Kim Jong-un trouve encore comment faire parler de lui.